lieu, dit-on, où souffle l'esprit. La ville de Montréal est née au pied d'une colline qui fut, non sans une pointe d'exagération, baptisée le Mont-Royal et dont le fait est aujourd'hui couronné par l'Université de langue française. Là où les rumeurs de la grande cité nord-américaine ne parviennent plus qu'atténuer, des traditions que le cours souvent capricieux de l'histoire a miraculeusement épargné, se poursuivent ou se renouent. Alors, M. Dupuis, cette retraite, c'est pour quand? Demain, vous viendrez nous voir à la nuit. Tout patrimoine ne survit que s'il est déposé entre des mains fermes et fortes. Encore convient-il de ne point négliger le rôle, parfois obscur, joué par les plus modestes serviteurs. Les civilisations laissent dans leur sillage des monuments de pierre afin que leur mérite soit à jamais gravé dans la mémoire des hommes. En les édifiant, elles affirment du même coup leur vitalité aux yeux des contemporains. Le prestige de l'action au théâtre est d'autant plus grand que la scène est plus vaste et que les rouages de la machinerie y fonctionnent parfaitement. Vous la regretterez, M. Dupuis, votre université. Ah, c'est que je l'ai vue grandir. Je l'ai vue pousser, comme un arbre. Pourquoi faut-il que les grandes espérances soient toujours déçues? Au fracas des explosions atomiques qui échangent leur dialogue de sourds par-dessus nos têtes, ne répondent que les cris de misère d'un milliard d'individus qui ont faim et l'appel fraternel de deux continents encore grisés par les vapeurs de l'indépendance et qui vont avoir à affronter leurs responsabilités. Ainsi va le monde. À Montréal, dans les années 60, la jeunesse de langue française prend la mesure d'un univers qui sera le sien. Dans cette maison aux mille fenêtres, où le soleil allume encore une flambée d'espoir. L'université assume la lourde tâche de former des hommes et des femmes de qualité qui sauront traverser leur temps avec dignité. Elle initie l'adolescent aux sciences humaines. Elle l'instruit dans les sciences sociales. Elle propage l'enseignement des sciences professionnelles. Elle développe chez l'étudiant le goût des sciences appliquées. C'est pourquoi l'université est à elle seule comme une petite ville à l'intérieur de la ville. Une ville avec son mystère, son originalité, son pittoresque, son charme, son mouvement propre et sa respiration. Thank you.
Le milieu du jour assouplit ou interrompt le rythme des études et la jeunesse peut alors donner libre cours à d'autres appétits. Ma chère Isabelle, je suis pour l'abolition des frontières. Alors j'agis en conséquence. Je cherche un travail pour l'été. Il y a une offre d'affichage au tableau. De quel ordre? C'est un public ou privé? Mes parents, cette année, m'offrent des vacances à la mer. Je te remercie beaucoup. Je vous offre la semaine avec la compagnie de vie. Ok, je t'aime. Après une fois. Il n'y a pas de vacances. Excusez-moi. À qui? Oui, je suis un tournant dans l'histoire. Non, ma génération devra faire entendre sa voix et assumer ses responsabilités. Samedi soir, si tu veux, nous irons danser. Le romancier contemporain vit ses ouvrages avant de les écrire. Regarde Hemingway, Malraux. Si nous avancions les mises en page du journal. Alors, nous souhaitons faire une partie. Graves ou légers, sérieuses ou frivoles, les souvenirs de la vie à l'université conservent le don d'attendrir quand, plus tard, on se prend à les évoquer. Les hommes peuvent vieillir et leurs épaules se charger peu à peu du poids des années. Ces souvenirs-là, dans un coin privilégié de la mémoire, auront toujours le charme et la saveur de nos 20 ans. L'Université de Montréal a poussé comme un arbre. Le tronc a pris de l'ampleur, le feuillage s'est étalé et au fur et à mesure que le temps fuyait, de nouveaux rameaux se sont mis à grandir. Certains même sont devenus tellement forts et puissants qu'ils s'alourdissent à leur tour de ramifications et de feuilles. L'arbre ne se distingue plus du reste de la forêt. Non seulement il ne craint plus les intempéries, mais il lui arrive même d'offrir abri et ombrage à tous ceux qui prennent la peine de s'y appuyer. Le souffle des grands frémissements qui agitent les foules épouse la courbure de sa cime, et les cris de douleur, d'espérance ou de joie des hommes de notre temps ne viennent point se briser contre des volets clos. La vie qui nous entoure et qui palpite sous les enveloppes les plus misérables comme sous les plus complexes attend de l'intelligence qu'elle contribue à soulager ses maux, sa misère et sa peur. L'Université de Montréal s'est rattachée ou a développé des instituts de recherche dont les travaux sont conduits pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Ainsi, l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale que dirige le docteur Hans Sellier.
Oui, j'ai fait calculer la probabilité statistique. Pas encore, monsieur Sully, mais nous pouvons le faire maintenant. Je crois que ça serait bien, parce que c'est pas un succès complet. Il faudrait peut-être doubler la dose. C'est des animaux de même poids? Oui, oui, oui. Sous les mêmes conditions, ça m'en fait doubler la dose. Très bien, Castel. Une discipline nouvelle, l'hygiène nucléaire, est née sur les ruines fumantes de Hiroshima et de Nagasaki. Elle étudie, à Montréal, sous la direction du professeur Sternberg, la résistance des êtres vivants à la contamination, qu'il s'agisse de mollusques, de poissons, de cobayes ou de bactéries. Le grésillement des compteurs Gégère signale que l'investigation se poursuit. Les progrès ultérieurs de la science dérivent aujourd'hui de la recherche fondamentale. La structure de la matière n'a pas encore fini de livrer ses secrets. Des savants s'emploient à les lui arracher en édifiant dans l'espace des constructions bizarres qui offrent à l'initié les clés de l'univers dans lequel nous vivons et aux profanes le sentiment vertigineux de son ignorance. L'homme du XXe siècle a pour ombre la science. Le goût du pain lui-même est soumis à son verdict. Dans les contrées en particulier où les richesses alimentaires sont limitées, la diététique, en faisant du laboratoire l'antichambre de la cuisine et de la salle à manger, proscrit le gaspillage et permet un meilleur emploi des ressources. Plus au botaniste qu'à se tourner vers la nature et à lui demander encore plus qu'elle ne rend, à condition toutefois de savoir la ménager, avec cette compréhension, cette tendresse qui furent instinctives chez le paysan, et que l'homme de science, à l'âge de la mécanisation, retrouve par l'analyse et la déduction. L'Université de Montréal est régie par un conseil des gouverneurs qui se réunit sous la présidence de son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, assisté du recteur, Mgr Irénée Lucier. Pour M. Dupuis, souvent témoin du cérémonial dans le cours des années révolues, ce sera son dernier conseil des gouverneurs. Grande journée, M. Dupuis, je vous verrai ce soir. Vous serez saisi bientôt, messieurs, d'un projet de la commission des études visant à l'institution d'un institut d'études afro-asiatiques. Le but est précisément celui que vient d'exposer son éminence. Messieurs, après ces communications, je demanderai maintenant, Monseigneur le recteur, de bien vouloir nous expliquer l'ordre du jour. Éminence, messieurs les gouverneurs, il y a plusieurs points importants à l'ordre du jour.
Nous serons appelés à étudier certaines décisions qui ont été prises par la commission des études et soumises à notre approbation. Et enfin, vous avez aussi des documents regardant la fondation d'un institut d'urbanisme à l'université. Bleu et or sont les couleurs de l'Université de Montréal, dont les armes parlantes, à défaut de raconter son histoire, figurent sur un blason. Fille de l'Université Laval de Québec, ce ne fut d'abord qu'une succursale. Une charte civile lui reconnaissant le droit d'accorder des grades universitaires, puis une bulle pontificale, donnait bientôt son double statut à l'Université Nouvelle, qui prenait le nom d'Université de Montréal. Il ne lui restait plus qu'à trouver un site à la mesure de son importance. La montagne l'attirait, elle s'y installa. De boutures en arbrisseaux et d'arbrisseaux en arbres, l'université avait grandi et entrait de plein pied dans l'âge adulte. L'histoire ne s'arrête pas pour autant. Elle s'écrit désormais au jour le jour. Et dans le cadre que l'université s'est choisi, les murs, pendant des générations, renverront l'écho de voix juvéniles. Louis Tremblay, 23 ans, Institut supérieur des sciences politiques. René Paquette, 21 ans, École polytechnique. Sénégal, 22 ans, Institut d'études médiévales. Nicole Lamy, 19 ans, Institut de traduction. Nationalité vietnamienne, étudiant étranger à faculté des sciences de Montréal. Si les murs ont des oreilles, le bruit confus et doux de ces voix mélangées sera pareil à un bruissement de feuilles. Science, art, musique. Au déclin du jour, l'université suspend son souffle, mais d'abord, elle se vide. On n'y rencontre plus qu'un vieil homme, errant dans des couloirs dont il connaît par cœur tous les détours, embrassant du regard des amphithéâtres déserts. Des bureaux repliés sur eux-mêmes. Croisant un homme de peine dont le balai efface jusqu'à la trace du jour qui meurt. Longeant des cases ou déjà enveloppés par la nuit, de petits animaux gris. Les dernières lumières qui brûlent à l'université n'éclairent plus maintenant que le repos ou l'éveil. Certains étudiants qui y ont élu domicile ont déjà regagné leur chambre. Quant aux autres, les voilà dispersés aux quatre coins de Montréal, la grande ville, où ils sont à nouveau pris dans le courant de la vie quotidienne, faite comme partout de petites joies, de travaux, de corvées, de plaisirs et de rêves. Dis-moi, Isabelle, ça sent rudement bon ce que tu mijotes. Tu m'en donneras des nouvelles après y avoir goûté. Allons, les enfants.
parle moins fort à la télévision. La tour de l'université semble cette fois pétrifiée, du moins jusqu'à l'aube du prochain jour. À l'intérieur, plus une âme, si pourtant, un vieil homme, qui, avant de se décider à disparaître dans la nuit, essaie une fois encore les nombreuses clés de son trousseau.